Alors l'un des adversaires sera au sol, si les deux sont au sol, ce sera un match nul. Alors je vous demande de bien les encourager. C'est deux combattants qui débutent. Ça va être très fatigant, ils ont 30 kilos sur le dos, ils voient quasiment rien avec leur casque, ils respirent encore moins. Ça va être assez intense. Et ça va être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir à la télé. À la télé, les mecs font un peu ce qu'ils veulent. Là, on est sur du vrai combat avec des vrais coups et les mecs vont faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais il y a énormément de clichés qu'on voit à la télé que vous ne verrez pas ici. Un cliché à la con, les mecs ils mettent leur épée dans le dos. Vous voyez qu'en vrai, si je peux dégainer une épée, ben, ça va pas. Donc il y a énormément de choses qu'on voit à la télé que vous n'allez pas voir ici. Pourquoi? Ben, parce qu'ici c'est réel. Ils vont juste pas mourir à la fin. Voilà. Normalement. Bon messieurs, vous êtes prêts? Alors ça reste c'est un sport de combat, oui, ils vont se taper dessus, oui, mais ils s'aiment et ils se respectent. Alors ils vont se saluer. Et ça va jusqu'à la mise au sol, les gars, il n'y a pas de limite de temps, ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 10 minutes. Ah, c'est la personne. Combattant prêt? Combattez! Alors ça c'est une règle du BO. Vous voyez que les combats sont pas simulés. Le matériel est mis à rude épreuve. Alexis vient de perdre un bout de sa spalière. Le combat on a eu des consignes très précises de la part de sa maman. Non mais ça c'est des règles, pour la sécurité des combattants. Madame, il y a un morceau de sa armure qui est... Donc voilà. Donc là, Alexis, merci pour toi. Tu viens de préparer ça et je viens après. Et voilà. C'est fatigué.
Ah oui, trop fort. Donc vous avez pu le voir, ça a été très rapide. Parce que le but justement de lorsqu'on est en combat amical, c'est de mettre le partenaire au sol et de le, on va dire, de le jeter pour plus qu'il y ait contact entre lui et moi. Et ainsi, ça permet d'avoir la victoire assurée, sachant que par la suite, je me suis relevé plus vite que lui. C'est important aussi d'avoir cette notion. Lâche le chien, ça. Lâche le chien, il y attaque. Mettez un gendarme dedans pour voir ce que ça veut. Tu vois, là, c'est plus long. Ah, voilà. Il est encore perdu. Et inversement, c'est vraiment travailler dans un ensemble. On travaille à la fois le physique et le mental. Donc, ce qu'on va vous présenter là, ça s'appelle du squat à pleine base. C'est le nom officiel de notre pratique, le combat au bâton. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut, gars. Salut.